Bah écoutez, yo YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, partie 2, tuto iMovie. Voilà, bah écoutez, j'ai oublié de vous dire 2-3 petites choses et j'ai envie d'ajouter un petit commentaire ou deux. Donc, voilà, on va apprendre aujourd'hui comment, voilà, élaguer une bande vidéo. Voilà, élaguer, ça veut dire supprimer un morceau, une partie de la vidéo, voilà, que vous avez filmé. Voilà, imaginons, voilà, ce qui m'arrive souvent. Voilà, je filme, voilà, là, je suis en train de filmer, je me mouche, ou je m'aperçois que j'ai dit une bêtise. Voilà, donc ça, on voit directement sur mon écran. Voilà, là, par exemple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Voilà, là, vous voyez, il y a un gros blanc. Non, voilà, et j'ai fait une grosse merde. Voilà, comme le gros mot que je viens de dire, ça sera élagué dans le montage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. MDR. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Donc, on fait clic droit, scinder le plan. Voilà. On laisse passer la vidéo. Ah, vous voyez que tout ça, ça sert à rien, donc ça va être supprimé. Et bah écoutez, j'espère que ce tuto... Voilà, jusqu'à là, en gros. On est là, hop, on clique là, voilà la partie jaune, on la sélectionne qu'on vient de scinder, et sup. Et voilà, et la vidéo repart dans le monde. Vous retrouverez l'album directement sélectionné ici, ça vous évite d'un tir, il y a telle photo dans cette là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et bah écoutez, j'espère que ce... Bon voilà, il y a encore un truc à supprimer, donc on se met bien à l'endroit où on veut commencer le scindage. Clac, on sélectionne et on supprime. Telle photo, yes. Et bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été très vite. Voilà, autre petite astuce. Oui, forcément c'est un tutoriel, il y a des astuces, c'est logique. Voilà, pour les titres. Voilà, ça nous arrive, voilà, de mettre des titres lors des vidéos, voilà, ou des vidéos très claires. Voilà, comme vous pouvez le voir, du blanc sur du très clair. Bon là c'est sombre, c'est noir, donc ça va se voir. Mais du blanc sur du très clair, bah ça se voit pas, en gros. Donc bah, vous allez cliquer droit, police, afficher les couleurs, tout simplement. Voilà, les couleurs vous les avez là, après vous sélectionnez la couleur que vous voulez, vous sélectionnez le texte que vous voulez, bien entendu, tu bouges pas, et voilà, ça va changer la couleur de votre texte. Si vous voulez une partie, comme ça, une partie de l'autre couleur, c'est possible aussi, vous sélectionnez ce que vous voulez changer la couleur, voilà. Un hashtag à la fin par exemple, et tu mets en rose, disons, et je l'ai pas sélectionné, vous voyez l'erreur, voilà l'erreur à ne pas faire, faut sélectionner. Voilà, donc vous faites un clic droit, je répète, afficher les couleurs, et puis vous sélectionnez ce que vous voulez changer, la couleur, l'endroit où vous voulez changer la couleur, et puis vous faites un glisser déposer sur l'endroit, tout simplement. Et puis une dernière petite astuce, vous pouvez ajouter des émoticônes. Voilà, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en traînant un peu dans les endroits un peu où on n'y va jamais, on va dire. Voilà, donc là tout simplement c'est un glisser déposer, logiquement, si je me souviens bien. Bien sûr, faut que mon Mac marche. Voilà. Et un glisser déposer tout simplement. Aux endroits où vous voulez. Voilà, et vous en avez pas mal, voilà, comme sur iPhone, comme sur Apple, comme sur Facebook, vous avez les mêmes, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas quand même, scinder, on a vu aujourd'hui, ajouter des émoticônes, ça peut être sympa pour mettre des petites ambiances, et puis changer les couleurs de vos textes. Eh bah écoutez, DJ Loop 22 vous salue, Aristote Big Boss alias DJ Loop 22 alias Aristote. Voilà, n'hésite pas à aller t'abonner à ma page Instagram, je sais pas qu'est-ce que ça vient faire là, mais c'est pas grave, n'hésite pas à mettre un petit like. Voilà, donc Aristote-du-Bassiveras, voilà, ou shooting-photo-art-petit-prix, voilà, tout ça c'est des tirés du bas, et puis bah, oh putain il fait chaud, tout d'un coup. Et vous vous foutez de moi à l'ensemble, hein. Et puis, que vous dire de plus, like la vidéo, n'hésite pas à liker, voilà, une petite différence de... Voilà, like la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à faire de la pub pour ma page, et puis je te dis à la prochaine. Ciao les amis.